merde. Mais chier ce truc. Oh. Si tu veux, on s'en fait au frigo tout à l'heure. Tu rigoles ou quoi? La dernière fois que tu m'en as fait fumer, je savais plus comment je m'appelais. La dernière fois, j'ai dégueulé dans une friteuse. Non, non. Eh ben, ça commence fort, vous deux. Je t'ai raconté la fois où j'ai pris des enfêtes. On la connaît par cœur, celle-là. Est-ce qu'on bouffe? Je vous ai dit que c'est bon, oui, à 13h30. Très bien. Au revoir. À tout à l'heure. Tenez, Dominique. Voilà les salaires. Merci. Au fait, monsieur déjeunera en haut aujourd'hui. Ouais, bah. Vous savez ce qu'elle m'a dit, la patronne? Monsieur déjeunera là-haut. Non, mais sans déconner, on l'a pas vu depuis des mois, quoi. Des betteraves. Des carottes, des betteraves, des carottes. Ça vise le Michelin, non? Putain, le gel! Hé, tête de nœud, si t'es pas content, t'as qu'à les peindre là-haut. Les oeufs, là. J'aime bien les betteraves. Le chef ne déjeune pas avec nous aujourd'hui? Non, pareil qu'il s'est encore énervé ce matin, il a reparlé de la Guyane. Dominique, vous lui faites savoir qu'on a commencé. Ma mère en a eu jusqu'à 4. Mais elle a eu le malheur de les faire tondre en hiver et ils sont tous morts de la grippe. Chef. Bon, bah il est dans un sacré état, lui. De toute façon, ouais, cuistot, c'est bien connu. Hein. Tous des alcoolos. Et les serveurs, c'est tous des PD, c'est bien connu, c'est ça, non? Ouais, c'est bon, ça y est, c'est reparti pour un tour, là. Non, c'est bon, je te dis. Tiens, Lily. Allez, viens, viens. Fais un bisou à maman, ouais. J'adore. Et donc, on a dû le piquer. C'était atroce. On aurait dit qu'il comprenait. Il nous regardait avec ses petits yeux, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Je vous fais peur? Donc je vous disais qu'on aurait dit qu'il comprenait qu'on allait le piquer. C'était un si bon chien, ça. Tiens, à propos de chien. Vous en avez déjà mangé, vous, du chien? Moi, j'en ai bouffé. En Guyane. À la broche. Délire. Putain, tu savais ça, toi? Que les chats, à force de se lécher le cul, ils avalent tellement de poils qu'ils finissent par mourir étouffés. Non. Ouais, moi j'ai un pote qui est mort comme ça aussi. Et en fait, je vous paye. Oh, enfoiré, là, tu voulais te les garder, la boule de la thune, là. Ah, merci, monseigneur. Ouais, c'est quoi ce délire, là? Les heures sup en liquide, vous les avez, vous? Bâtard. Je comptais dessus pour ce soir, en plus, hein. Heureusement, il me reste des pourboires de la semaine. C'est tout ce que t'as à dire, toi. Putain, c'est bien une réponse de larbin, ça. Merci, patron, merci, patron. C'est moi, larbin? Vraiment un con celui-là. Ah ouais, c'est vraiment un con celui-là. Ouais, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah ouais, c'est pas ce que t'as dit. Bah, explique-moi ce que t'as dit, toi. La béchamel dans la tronche. Hein. C'est bon, là, on peut manger tout. C'est pas moi qui fous la béchamel dans les cheveux pour essayer d'avoir ma face de cul un peu mieux, quoi. Pour mon connard. Tu fais ta grande gueule là, puis quand t'es dans le capital, tu sais que t'as la grande gueule ici, putain. Moi, ouais, je trouve que t'as la grande gueule. T'as la grande gueule, peut-être. Moi, je sais pas. Moi, ça m'irrite un peu le poil quand j'entends des connards pareils. Ferme ta gueule, franchement. Ferme ta gueule. Mais je fais pas le coup de la panne aux meufs, tu vois. Tu fais Nicole. Qu'est-ce t'as raconté, toi? Tu me parles pas. Tu me parles pas. Moi, je mange. Faites-la la bouffe, vous! C'est pas du tout ce que je vous ai dit! Vous démêler avec la direction m'intéresse absolument pas! J'ai aucune envie de faire la cuisine à votre place!
Vous aurez peut-être peur de vous salir les mains. Viens, prends le temps. Putain, mais t'es vraiment taré, mais c'est un malade ce mec. Il a failli m'envoyer le verre en pleine gueule. Bon, qu'est-ce qui se passe à la fin là? Je crois que c'est à cause des payes. On n'a pas eu les heures sup, c'est pour ça. Vous aurez peut-être à la Saint Trou du cul. Comme la ventilation ou les peintures des vestiaires. Avec chance. J'appelle mon mari. Allez, c'est toi heureux parce que la prochaine fois, je te louperai pas pour non, mais attends, mais je sais pas lequel des deux est le plus taré, mais vous commencez à me saouler grave là. Ras-le-bol. On se calme là. C'est bon. Là, il y a la patronne qui est en train d'appeler le capitaine. Il va débarquer, ok? Donc on arrête de s'engueuler, c'est pas du tout le moment. Bon, c'est qui lui parle des heures sup? Ah bah, faut surtout pas vous battre, hein? Hein? Putain de grande gueule et rien dans le slip. Psst. Et je te préviens juste, hein, c'est pas moi qui ramasse les bouts de verre, hein. Juste pour info. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air calme. Non, mais c'est moi qui ai inventé cette histoire d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, ils les auront le mois prochain, puis c'est tout. Le mois prochain? Oui, comme la ventilation, comme l'enseigne, comme la peinture du vestiaire. Bon, écoutez, j'ai eu un petit souci avec la banque, mais dès la semaine prochaine... Ouais, conclusion, là, dans le cul, quoi, c'est tout ce qu'on voit. Pardon? Bah écoutez, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes en cuisine et que vous n'avez pas de chaussures de sécurité, alors je vais en parler au chef. Je me suis coupé. C'est les pantoufles de sécurité, ça, monsieur. Laisse-moi, il y a du sang, là. C'est rien, c'est rien. Coupé entre les doigts de pied. C'est passé. Ok, le spectacle est terminé. Dominique, Polo, en salle, tout de suite. Tout de suite. Putain, le